traditionnelle malgache, mais qui s'est enrichi donc des styles des missionnaires et de l'administration coloniale. Et dans le Fisakan, c'est surtout la scolarisation, l'essor de la scolarisation même, avec l'émergence des membres de l'élite qui circulent un peu partout dans Madagascar, qui ont permis donc avoir ces styles en milieu rural, bon, en milieu qui est éloigné de la ville. Ce style, mais ils se servent également du style du missionnaire pour construire leur propre maison. La base de l'architecture reste toujours la maison traditionnelle, mais ils ont rajouté donc un véranda, ils ont utilisé la brique. La brique donc sert de décoration tout simplement. On appelle cela Chan Matiu Ivelen, c'est-à-dire que c'est une maison, c'est-à-dire sur votre droite, entièrement en terre battue. Mais les quatre côtés des vérandas uniquement sont en briques. Les gens de Fisakan, donc, avec le modèle traditionnel, ajouté avec le modèle du missionnaire, ils ont rajouté donc surtout ce véranda qui est le style, le toit, essentiellement si vous regardez, hein, le toit auparavant, c'est un seul pan. Essentiellement. Mais là, vous avez donc un premier au niveau de Viranda, donc un deuxième. Si vous regardez donc les bureaux des chefs de district, des chefs de province, les hôpitaux, les écoles ou autres qui ont été créés par l'administration coloniale, ces bâtiments donc ressemblent à ces maisons. Les vérandas donc sont c'est autour de la maison. Généralement, il n'y a pas d'étage.